Rapper Nation, aujourd'hui sur Prends un Break, on reçoit la queen des queens, pis moi j'ai besoin de vous autres. Le concept est bien simple, mes cocos, Instagram décide de ma vie, je veux donner le traitement royal à cette queen, donc vous allez m'aider à faire les choix par les stories, so let's fucking go! J'aime vraiment ça si vous décidiez de mes choix, même plus besoin de penser pour me dripper, vous allez le faire à ma place, tabarnak. On y va avec les Lemmy Slide, my brother. Fait que là, on est à Montréal, si vous avez pas compris. On est ici pour vlogger avec la diva du Québec. Mon influenceuse préférée. Fait que c'est la première fois que le beau-frère vient à Montréal en tant qu'adulte pis qui conduit. Pis hier, il est arrivé là, il était stressé en tabarnak. Hey, hein, le beau-frère? C'est pas fait pour conduire ce petit village-là. On s'en va chercher des bixis, nous autres, à la place. Choix numéro 2, c'est le temps de choisir le moyen de locomotion. Foot or Bexet? Dans la belle ville de Montréal, il y a des systèmes de vélos qui s'appellent Bixi. Deux choix de vélos. Des vélos à pédales pour le beau Rénald, puis un beau vélo électrique pour votre Dripper Nation. Fait que, s'il vous plaît, faites ce choix. Oh my God! Wow! Parce que mon genou, il est ketchup! Ok, un gros merci à vous, mes amours. Vous m'avez donné électrique, vous le savez que mon genou il est ketchup! Fait que là, avec le Bixi électrique, on va se rendre à notre premier achat pour notre diva! C'est pas compliqué, pointe ta carte, swipe ça ici, mon coco. C'est that's it, c'est ciao, tu pointes ton bessic, tu décalises. Fait que là, on s'en va à la bijouterie drette là. Choix numéro 3, un petit bijou. Choix numéro 1. Choix numéro 1. How much? One. For you free. Free? You my son. Oh! Là, on a choisi une belle petite chaîne subtile. Oh! Il y a deux choix pour notre diva. Les boucles d'oreilles ou la petite chaîne subtile. Moi, j'aime vraiment ça. Ça donne un, juste un petit côté goldie, hein? Hein, le beau-frère? Ouais, moi, j'irai avec toi. Tu sais comment ça flash? Moi, j'irai avec les boucles d'oreilles. Je suis ben G. Fait que les deux choix étaient vraiment beaux. J'ai décidé d'acheter les deux. Je vais garder la chaîne, puis je vais y offrir les Goldie Book de Ray. Là, on s'en va au niveau drip lunatique pour The Dripper. Parce que il faut un drip lunatique quand on reçoit quelqu'un de prestige. Dick, tu veux quoi de plus? C'est G. C'est le drip lunatique. En tabarnak. Versace, mon Dripper. Hey, man, c'est les lunettes. C'est mes préférés de la vie. Choix numéro 2, même paire mais en gold, mon coco. Ma mère m'a toujours dit de m'habiller propre quand on recevait de la belle visite. Donc, j'ai décidé de m'acheter une belle petite chemise. Choix numéro 1 pour la couleur, le bleu. Choix numéro 2 pour la couleur, le beige. Quel est votre choix? Laissez-moi s'en savoir dans les commentaires. Là, on s'en va chercher des lunettes, mais on a un 50-50, mesdames et messieurs, ça dérouge pas, vous êtes à égalité depuis tantôt, fait que le beau-frère va trancher. Fait qu'en tant que Jean Rodi de la Rive-Sud, je choisis les noirs, my brother. Let's fucking go. On s'en va acheter ça, je vous montre ça, dans pas longtemps. Ok, c'est ma première paire de Versace, on va faire le unboxing ensemble, je sais que vous aimez ça, vous à la maison. Versace. Oh bordel, un putain de gros caisse. Oh, bien emballé. On met les VF de côté et on pull off. Oh! Oh!
cassé, vous est cassé, Drip Papa est dans la place. La rose saumon, pêche, rosée, toutes les couleurs, punch et rock. Hey, ton hostie de chandail, là. Yeah, là, t'as chié. Pas d'excellent. Ouais, on dirait. Toi, tu un beau bonhomme, pas bonhomme. Pas bonhomme, moi. Je suis pas le seul à le dire que je suis beau, galisse. Bon, dernier cadeau. On s'en va chercher un drip floral pour notre queen. Allons voir ça, mes cocos. Fait que là, on a le choix numéro 1, les roses rouges ou le Money Train. J'ai décidé de prendre les deux parce que j'y souhaite une abondance financière jusqu'à la fin de ses jours. Et les roses rouges parce que je lui souhaite de trouver l'amour. Je suis célibataire en passant. Sacrément. Ok, fait que tantôt, Frank the Dripper. J'ai décidé de donner les bons conseils pour pogner avec les filles. J'ai décidé d'écouter ma mère. Fait que premièrement, je voulais te souhaiter une indépendance financière jusqu'à la fin de tes jours avec le Money Tree. Arrête, le micro en plus. Oh, il est full bon, je l'aime pas. Il y avait ça, 7 parce que je te souhaite la chance de trouver l'amour de ta vie. Arrête! Puis je voulais dire que je suis célibat. L'autre message, c'est qu'il aimerait bien ça que ça soit toi. Yeah! Ça se met, on se prend un vrai gros. Et puis... Oh my God! C'est quoi ça? C'est un jouet? Tu vas voir. Non! Ça, Eros nous ont dit que t'as pas mal tous les jouets. Je pense que t'es good là-dessus. Arrête! Hey, c'est la première fois que j'ai un podcast, je reçois des cadeaux. Je sais pas comment me gérer. Gère-toi comme tu veux. Attends, quoi? Ça, c'est votre brand? Yes, exactement. Oh, la brand, ça a l'air la plus G au Québec. Wow! Je vais le mettre maintenant. Let's fucking go. Mais les cadeaux, c'est pas fini, ma belle Lisande. Ah, mets la main au fond de ton sac parce que c'est pas terminé. Surprends un break, c'est jamais fini. Mais t'avais ça? Yes, j'en il m'en manque un bout? Ah oui. Ah oui, reste pas prêt. Oh. Non. Ben voyons donc, Frank! Non, Chris, ma mère a dit, fais pas les affaires à moitié, mon coco! Chris, me suis habillé propre, me suis mis un drip, et les cadeaux sont là. C'est sûr que tu me fucking niaises. Non, mais Chris, je peux pas dire que je l'aurais pas essayé, là, Chris. Tu me niaises. Ben non! Ben, ils sont full belles! Oh, Chris, c'est une mission réussie.